Donc deux formules importantes à ne pas confondre. La première, donc on la connaît, f de t moins tau et de t moins tau, sa transformée de Laplace, c'est exponentielle moins tau p, grand f de p. Donc on se souvient, cette fonction-là, c'est la fonction translatée de tau, qui en fait vaut la transformée de Laplace fois une exponentielle. On a une autre formule, qui est la transformée de Laplace de f de t exponentielle moins t u de t, qui vaut grand f de p plus a. C'est-à-dire que ici, une fonction multipliée par une exponentielle, c'est la transformée de Laplace grand f translatée de moins a. Donc attention, on sait que quand on fait p plus a, en fait la translation elle se fait dans l'autre sens. Vous voyez ici, ça marche en diagonale. C'est pour ça qu'elles sont importantes à ne pas confondre. Donc si on applique cette formule 2, donc que je rappelle ici, alors on va chercher la transformée de Laplace de g de t qui vaut t puissance 3 exponentielle 2t u de t. Donc on va regarder par analogie, donc ici ce qu'on cherche. Donc on a le u de t qui est en commun, on a l'exponentielle ici qui est en commun, donc on va regarder les paramètres. Donc si on a exponentielle 2t et qu'on a exponentielle moins at, ça veut dire que a va valoir moins 2. Donc on a u de t en commun, donc ça va nous permettre de chercher f de t ici. Donc on voit que l'élément restant c'est t cube, qui veut dire que effectivement f de t égale t cube. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'application de la formule, puisque l'on connaît grand f et petit a. Donc on voit en appliquant la formule que c'est grand f de p plus a. Donc c'est-à-dire que ici la transformée de Laplace de t cube exponentielle de t u de t, c'est grand f de p, donc moins 2, puisque petit a vaut moins 2. On va devoir chercher la valeur de grand f. Donc pour cela, on se réfère à petit f. Donc la transformée de Laplace de petit f, ben, elle est donnée par le formulaire. Donc t cube, c'est 3 factoriel sur p puissance 4. Donc maintenant, nous, c'est grand f de p moins 2 qu'on va devoir calculer. Or ici, on a calculé grand f de p. Si on observe, on voit que la différence, c'est que ici, j'ai petit p, ici, j'ai p moins 2. Donc si je veux calculer grand f de p moins 2, ça va vouloir dire que dans ce grand f, je vais remplacer tous les p par p moins 2. Donc si je calcule grand f de p moins 2, donc ça va faire 3 factoriel. Et ici d'avoir p, c'est p moins 2 qui va être mis puissance 4. Donc ça veut dire que la transformée de Laplace de t cube exponentielle de t u de t, c'est 3 factoriel sur p moins 2 puissance 4. Une autre manière de présenter cela, c'est d'utiliser un tableau. Donc même question, on veut la transformée de Laplace de t cube exponentielle de 2t. On a vu tout à l'heure hein, quand même qu'on a besoin de connaître grand f, petit f et petit a. Donc petit a vaut toujours moins 2 et petit f vaut toujours t3. Et en fait, on vous présente ça sous la forme d'un tableau. C'est-à-dire que première ligne, on écrit les fonctions en jeu. Deuxième ligne, on écrit leur transformée de Laplace. Donc la première fonction en jeu pour pouvoir appliquer la formule, on a vu, c'est d'utiliser f de t égale t puissance 3, u de t. Donc d'après le tableau du formulaire, sa transformée de Laplace, c'est 3 factoriel sur p puissance 4. Mais nous, ce n'est pas t cube dont on a besoin, mais c'est t cube exponentielle de t. Donc c'est ce qu'on va calculer ensuite, deuxième ligne. Et on voit que la différence pour passer de l'un à l'autre, c'est l'utilisation de la formule ici. Donc si on calcule grand g de p, on sait d'après la formule que c'est grand f de p moins 2. Et ensuite, quand je calcule dans grand f calculé précédemment, on remplace tous les p par p moins 2. Même démarche que tout à l'heure, mais présentée en fait sous forme d'un tableau.